6-9, la matinale, culture. Et elle est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour Hajar. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tous. Voilà, donc on commence bien sûr par nos rendez-vous, les rendez-vous culturels. Ils sont nombreux et assez diversifiés, il faut le dire. Donc déjà, nous avons bien sûr le grand rendez-vous, ce sera... Déjà à partir de quelques jours, on va vivre des moments magnifiques liés à l'histoire, à la révolution algérienne, au 1er novembre 54, 70 ans déjà, donc ça se fête en grande pompe, ça se fête de façon grandiose. Ce sera le cas donc cette année à travers les 58 wilayas du pays. Nous allons fêter cette révolte, cette colère, ce triomphe du peuple algérien. Et nous allons avoir beaucoup de spectacles, de rendez-vous culturels, des conférences, des projections de films. On se mettra tous au diapason. Ce sera aussi lié à ce beau rendez-vous. Ce qui est imminent actuellement, c'est aussi Tizi Ouzou avec le Festival du film Amazigh qui a ouvert ses portes. Donc, et nous allons bien sûr être au rendez-vous de ce rendez-vous donc culturel et cinématographique, ô combien important pour nous tous. Et là, ce qui est important, c'est de revenir aussi à des rendez-vous, donc des arts plastiques, qui seront aussi liés à la révolution algérienne et au 1er novembre. On va retrouver donc pour le 1er novembre de très belles idées innovatrices de nos artistes. Je citerai juste Menou Kahlen et Kemel Nour, qui ont décidé, vous savez, de faire des portraits de Boudjahidet, de leur vivant. Vous voyez, donc il va y avoir Zohra Drif, il va y avoir Djemila Boupacha, elles seront donc, il y aura leurs portraits peints par des artistes, l'un jeune et l'autre moins jeune, deux générations différentes. Elles ont accepté de jouer le jeu pour cet anniversaire des 70 ans donc, de la révolution algérienne. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment de belles idées. Il va y avoir également du théâtre, le cinéma. On reviendra sur la révolution algérienne, des concerts de chant un peu partout à travers tout le territoire national, des pièces de théâtre. On va vraiment vivre ces belles choses. Si on doit citer par exemple la capitale, donc Alger, El Jazeera, il va y avoir pour tous les goûts, pour tous les styles, avec toujours bien sûr on reviendra à l'histoire, à cette touche patriotique ô combien importante. Nous savons qu'il y a aussi une communauté algérienne qui vient et qui viendra pour le 1er novembre fêter ce rendez-vous magique, extraordinaire. Il va y avoir des spectacles de rue, de la danse, des fanfares. Les préparatifs vont bon train. Le rendez-vous aussi est important. C'est la nuit du 31 au 1er novembre. Je cite l'exemple de la capitale, mais ça va se faire à travers tout le territoire national. C'est carrément des défilés de fanfares, de chants patriotiques. Les scouts seront bien sûr présents. Beaucoup d'associations culturelles qui vont défiler. On vivra des moments magiques ensemble. Donc j'invite déjà nos auditeurs à sortir le 31 octobre avec les enfants pour qu'on vive au moins, que l'on vive ce moment important. Ensemble.